Alors, on avait une réunion aujourd'hui pour travailler à une proposition de loi qui permette de mieux reconnaître le métier d'ambulancier et de lutter contre les déserts médicaux, qui est un de mes sujets prioritaires. Et je crois qu'on a bien avancé aujourd'hui, me semble-t-il. Ça fait déjà maintenant un certain temps qu'on collabore ensemble. Et je crois qu'effectivement, là, on a une bonne séance de travail qui va nous permettre de déboucher sur un projet de texte qu'on va pouvoir maintenant espérer porter pour que les ambulanciers soient mieux reconnus et qu'ils puissent surtout rentrer dans une nouvelle dimension avec des actions complémentaires à celles qu'ils font actuellement. Donc effectivement, je crois que c'est une bonne séance qui va nous permettre d'avancer. Oui, prochaine étape maintenant, c'est de finaliser le texte et puis d'aller voir la ministre de la Santé pour recueillir son assentiment et ensuite l'Assemblée nationale, le Sénat et le vote de la loi. Donc encore un petit peu de travail, mais ça n'effraie pas les membres de la CNSA pour soutenir ce projet de loi. Et ni les députés, et notamment Christophe Mariot.